Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode 2 Starbound V5 Please the Giraffe, chers amis. Donc, on va essayer de voir si on peut pas mettre une torche. On va en mettre 2 ou 3 ici, voilà. Comme ça on saura qu'on démarre ici. On va encore faire une exploration de planète, chers amis, histoire de trouver encore plus de blueprints. Ça serait vraiment sympa. Vous voyez que j'ai refait le stock de Spear. Elles font pas de dégâts, celles-là. Ah, intéressant. Peut-être qu'elles en font pas sur eux, mais sur les autres, elles en font. Peut-être ça, surtout. Yo, l'ami. Hop, et de 1. Je suis le plus fort. C'est pas passé loin, mais je suis le plus fort. Hop. De mémoire, ça l'a fait la grande épée. Hop là. Eh ben, t'as essayé, tu as perdu. Ah oui, toi. Il en fallait tant que ça? Parce que là, j'ai pris des Iron Hunting Spear. Avant, j'avais pris des Hunting Spear. Il aurait fallu que je fasse la comparaison entre les deux. Tant pis. Rappelez pas qu'il en fallait 3 avant. Rigolo. 102 de dégâts. Elle faisait pas plus de dégâts que... Oh, il y a un truc qui va pas, chers amis. Mais bon, on trouve des compos en quantité, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Ok. L'objectif étant pas de trouver des compos, mais plutôt des plans. Hop. Voilà, on trouve de la viande en quantité surtout. Bonjour. Après, le fait est qu'on est peut-être sur une planète. On est sur une planète enfin, dans un système de type Fiery. Donc si ça se trouve, on a aussi plus de ils ont aussi plus de PV, hein. Sans doute. Yeah. Voilà. Je vous dis Rio. J'y vais à Rio, moi. Hop, voilà. Regardez. Raté. Ah. Crac. Voilà. Ardennais de Carapace. On n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait faire avec ça. Hop. Alors. On grimpe encore plus haut. Hop. Tu disparais. Oh oh. Eh ben non. Désillusion, chers amis. Désillusion. Crac. Hop, t'as rien vu venir, toi. Alors, il est caché, lui. Un peu trop. Ha. Non. Hop, ça touche. Voilà. Oh. Salut, toi. Tu viens nous apporter des choses? Oula. Il y a de la lave. Touché. Mais tellement j'en chie à les toucher, ces trucs là. Hop. Pourquoi je suis tout lent? Ah, oh, attendez, on est dans une région de lave et en plus il y a le vent. C'est pas parfait comme région, ça. Crac. Un petit coup de régène. On notera que le vent passe à travers la... Ah oui, techniquement, oui. Oui. T'es un ennemi tellement dangereux, toi, des fois. Hop, barrette de rame. Ah. Je veux pas mourir.
Hop. Voilà. Faut qu'on quitte ce biome le plus rapidement possible, chers amis. La mort nous y attend. La mort nous y attend. Ok. Attendez, je suis pas encore. Attendez. Non, je peux pas être en admin vu que... Oh là là, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. En tout cas, on peut sauter correctement maintenant, enfin. Ouh. Y'a rien là-dedans? Non, y'avait rien. Ok. Double coffre en dessous. On va aller chercher ça. Crac. Deux diamants, un petit peu de trucs. Ouais, d'accord, rien de bien intéressant. J'ai l'impression que ma souris en chie. Oh bah non, faut pas qu'elle s'y mette non plus. Crac, crac, crac. Elle est toute neuve en plus. Ouais, toute neuve. Elle a même pas un an, quoi. Quoique. Elle a dû fêter ses un an, je crois. Hop. Moi je vais directement là-bas. Hop. Non. Tu ne le feras pas. Hop, problème résolu. Hop, voilà. Scorched Core. Okay. Ah, il est pas mort. Il est pas mort, je croyais qu'il allait être mort, mais non. Qu'il allait mourir. Oh, un bulle bizarre. Et on a fait le tour. Bon, bah écoutez, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je te chasse, toi aussi, effectivement. Hop, on va passer par là. On va être plus tranquille. Eh ben non. Je pensais qu'on l'aurait été, mais non. Alors, un autre biome en dessous. Hop. Il va finir par me perdre de vue. Alors, s'il me suit juste... Ok, toi tu mérites. Hop les Dragon Ball like. Oui, je te punch en plein dans la gueule. Et tout ça en volant. Hop. Challenge Portal Room. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être? Oh non, elle est trop facile celle-là. À force. Ah, ça touche. Alors là, je ne suis pas d'accord. Ah, je suis stupide. Hop. Faut bien jouer le risque un petit peu. Aïe. Crac. Oh. Hop. Oh bah zut. Il en reste une que j'ai oubliée. Ah non, elle est ouverte. Oh bah non, alors. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Une pauvre dague. Bleue, qui plus est. Une dague bleue. Ok, on reprend. Ah ah. Eh bah non. Dommage. Dommage, dommage. Là-dedans, il y a des trucs, peut-être. Oui, mais rien de bien intéressant. Là-dedans, il y a un passage secret.
Non, même pas. On n'a plus qu'à creuser. On va bien voir, on va peut-être tomber sur quelque chose, hein. J'aimerais bien tomber sur un nouveau blueprint. Histoire qu'on puisse avoir une autre arme à crafter, ça peut être sympa. Un boomerang, j'aimerais bien un boomerang, on n'en a pas encore eu. C'est une arme qu'on n'utilise pas parce que justement elle est pas, à l'heure actuelle, elle est pas extrêmement efficace, hein, faut être honnête. Ok, je m'y attendais pas à celle-là. Bon, on va continuer à creuser. Biome cristal, je m'y attendais pas non plus à ça. Aïe. Oh, une challenge room. On va y aller. Aïe, aïe. Hop, on y retourne. C'est parti. Alors, alors. Oh non! Encore un choix cornélien. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est marrant, on l'avait pas avant celle-là, mais maintenant on l'a tout le temps. Oh. Hop. Aïe, quand même. Cul-de-sac. Là. Hop, on redescend. Pas longtemps, mais on est redescendu. Bon, on recreuse. C'est pas grave. Dans la mine, dans la mine. Allez, un petit blueprint là. J'aimerais bien choper quelques petits minéraux. Le PQ, je peux le virer par exemple. Hop, c'est parfait. Trois kilomètres de... Oh, salut, t'es mignon, toi. Eh ben non, tu m'auras pas eu. Ok, un coffre avec dedans un machine pistol moisi. Si tu comptes... Oh, putain. Tiens, bouffe. Voilà, problème résolu. Eh merde, on est encore en train de creuser. Ça va. On a connu pire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas sur le bon biome. Ah, pour le moment, en tout cas. Bientôt, il le sera. Enfin, bientôt, ce sera pas un problème, en fait. Oh, tu es bien passé, normalement. Normalement, c'est le champ de vision. Voilà. Ok, on a un coffre. Rien ici. Des escargots! Ici, y a pas trop pépé normalement. Donc on y va, on en profite. C'est bon. Bon, on peut récupérer l'or. Hein. Merde, on arrive en bas de la planète déjà. Et on n'a pas trouvé grand-chose. Ça m'embête avec quelques lags toujours. Hein. Alors apparemment vous m'avez dit que certains d'entre vous m'ont dit que les lags en fait pouvaient aussi provenir du fait que mon vaisseau était toujours chargé en fait. Et comme il est assez blindé au niveau automatisme, ça pompe un peu tout le temps sur la RAM en fait. Enfin sur le moteur du jeu. Bah écoutez, si c'est ça, c'est vraiment con quoi, parce que bon, enfin c'est fait pour être utilisé normalement le comment que s'appelle le. Enfin ça quoi, je sais plus comment ça s'appelle, comment ils appellent ça? Le wiring, voilà. Enfin la redstone quoi, c'est fait pour être utilisé. Faut le dire tel que. Faut dire ce que c'est quoi, c'est de la redstone. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est fait pour être utilisé normalement, je comprends pas pourquoi ça devrait pomper à ce point. Enfin, bon, on verra bien, ça se trouve ce sera amélioré dans la version 1.0. Hein. J'y crois, chers amis, hein. J'y crois. Hop. Crac! Esquive! Non, tu t'arrêtes. Voilà. Je préfère ça. On va aller prendre le coffre quand même qui est là. Hop. Hop. Voilà.
Petite astuce, hein, vous penchez, enfin vous faites bas, et vous utilisez le, hop, le FSD ou le, enfin ce que vous pouvez, ce que vous avez, le boost là. Pour partir, alors on a une hache, une dague, un, non c'est pas des pixels, bon bref. C'était un tech chip. Ok, bon. Eh ben encore une fois c'est un échec, hein, on n'aura pas trouvé ce qu'on cherchait, non toujours pas. Faire quelques... Ah, attendez. Eh ben non, j'y ai cru. C'est la désillusion. Ok. Donc celui-là, on l'a fait. Là, on est descendu par là tout à l'heure. Ah, une chardonnette de... Alors ça, on va la prendre. On va la mettre à la place de ça. Sharpened Claw, c'est toujours sympa d'en avoir une, en plus. Je crois qu'en plus, j'ai pas mis le lieu de farm qu'on avait trouvé. Donc bon, c'est toujours sympa de l'avoir en plus. Bon, ouais, bah écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.